tenir debout, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons lire Job 1, verset 1 jusqu'au verset 5. Job 1, verset 1 jusqu'au verset 5. La Bible dit ceci. Il y avait dans le pays d'Ute un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Il lui naquit sept fils et trois filles. Il possédait sept mille brebis, trois mille chameaux, cinq cents paires de bœufs, cinq cents ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres. Et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume, coutume. Ce n'était pas sporadiquement, régulièrement, coutume d'agir. Seigneur Dieu, bénis cette parole. Accorde-nous ton onction. Accorde-nous ta grâce, la capacité de dire ce que tu veux que nous puissions dire. Je prie, Père éternel, que les couples soient bénis. Je prie également que les célibataires soient bénis et que chacun de nous puisse tirer de cet enseignement, Père éternel, une leçon, une transformation. Je détruis, j'anéantis les forces de l'ennemi, toutes les puissantes des ténèbres qui combattent les familles, qui combattent les couples au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'implore ta grâce, j'implore ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Lorsque nous lisons l'histoire de Job, il y a certaines personnes qui disent que c'est un conte, c'est une fable seulement pour encourager les gens, mais pour ma part, je crois que c'est une histoire vraie. Mais sur le plan chronologique, l'histoire de Job, Job a existé plutôt avant même Moïse. Et sur le plan chronologique, il est avant Moïse, mais ce qui s'est écrit dans Genèse s'est passé avant Job, parce que Moïse a eu la révélation de la création, il a eu la révélation du commencement, mais Job a existé avant Moïse. Et pourquoi je dis cela Parce que tout ce qu'on dit sur Job, il l'a fait, pas parce qu'il avait la loi, la loi de Moïse. Job n'a pas eu cette crainte de Dieu sur base de la loi de Moïse, parce qu'en son temps, il n'y avait pas encore la loi de Moïse. C'était un homme qui avait une révélation. Il est semblable à Enoch qui, sans même la loi, pouvait avoir une intimité avec Dieu. Lorsque nous lisons ces cinq versets, nous voyons que la première chose qui nous est présentée, on nous dit au verset premier, « Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. » Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. On nous présente le père de famille. Lorsqu'on veut présenter la famille de Job, avant même de parler de sa femme, de parler de ses enfants, de parler de ses biens, on nous présente il y avait dans le pays d'Ut un homme, un homme. Le plan de Dieu pour la famille, c'est que l'homme soit l'homme, c'est que l'homme soit le leader. Et vous ne pouvez savoir à quel point, en ce temps de la faim, l'ennemi combat cela, que l'homme soit l'homme. Peut-être nous, ici en Afrique, nous avons encore cet esprit-là, mais nous devons prêcher pour la terre entière. Plus le temps est en train de passer, que nous nous approchons du retour de Jésus-Christ, on veut... Qu'on dise, il y avait dans le pays d'Ute une femme qui s'appelait Anne. C'est ce que l'ennemi veut. Il y avait au pays d'Ute une femme qui s'appelait Sarah, pas un homme qui s'appelait Job. Le plan de Dieu pour la famille, c'est que l'homme soit le leader. Et quand je parle de leader, ce n'est pas d'abord celui qui donne des ordres, ce n'est pas d'abord celui qui commande, mais c'est celui qui influence positivement celui qui influence positivement De moins en moins nous avons des pères qui influencent positivement leur famille C'est plus les mères Quand vous posez la question aux enfants quand vous êtes malade qui prie pour vous souvent c'est maman qui pousse les enfants à aller à l'école plutôt à l'église c'est maman qui pousse les enfants aux jeunes à la prière la plupart c'est maman les hommes sont devenus des démissionnaires Surtout s'il travaille, s'il a un travail qui lui rapporte. On est tellement occupé qu'on n'influence pas positivement nos enfants. Mais la Bible nous présente Job. Papa, tu dois être réellement un papa. Homme, tu dois être réellement un homme dans ta maison. Et pas seulement dans le domaine de l'influence, mais aussi dans le domaine du respect, dans le domaine d'être un modèle. Quelles que soient les traditions actuelles, quelle que soit l'évolution de la civilisation actuelle, c'est l'homme qui est le chef de la famille. Et la famille de Job nous présente Job le chef de la famille. Chère maman, si vous discutez cela, ça ne sert à rien de vous marier. Ça ne sert à rien. Car souvent... Les femmes aiment le mariage mais n'acceptent pas que l'homme soit le chef. C'est comme si tu veux de la voiture mais tu ne veux pas du volant. Chère femme, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de célibataires en ce lieu. Un célibataire qui ne se prépare pas à la soumission ratera sa famille. Et beaucoup de filles ne sont pas préparées à se soumettre. À l'autorité de la femme, à, à l'autorité la, de l'homme. Ma sœur, tu peux savoir bien préparer, tu peux être une belle femme, tu peux être une femme intelligente, mais si tu es incapable, incapable de te soumettre à un homme sans prophétie ni vision, ta famille sera détruite. Car tu chercheras à transformer ton mari en femme, car lorsque la femme devient l'homme, automatiquement l'homme doit devenir la femme. Et je dis à tout homme, qui est devenue la femme dans sa maison, c'est un péché. C'est un péché. C'est un dysfonctionnement. C'est un monstre. Que les choses se passent dans ta maison sans qu'on puisse te consulter. Que les choses, les décisions soient prises dans ta maison sans toi alors que c'est toi le chef. Tout homme qui a vécu un coup d'état de sa femme doit revendiquer sa place. Tout homme qui vit un coup d'État de sa femme, doit revendiquer sa place parce que c'est une maladie. Vous êtes en train de créer un monstre. Le plan de Dieu pour la famille, quand Dieu regarde une famille, il voit un chef, c'est l'homme. Ce n'est pas la femme, ce ne sont pas les enfants, c'est l'homme qui est le chef. Et tant que nous ne sommes pas d'accord sur cela, nous n'aurons jamais des familles selon Dieu jamais 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 chères femmes vous devez traiter dans vos cœurs la rébellion traiter la rébellion car aujourd'hui les femmes sont rebelles insoumises nous aimons chasser les démons lorsqu'il s'agit des familles mais des fois le problème dans la famille n'est pas le diable c'est la rébellion des femmes qui ne veulent pas que l'homme soit chef c'est pourquoi je dis toujours aux célibataires tu ne peux épouser une femme si tu sens en elle l'incapacité de se soumettre à ton autorité. Ne l'épouse pas. Et si vous êtes marié et que vous avez un problème de soumission, réglez cela. Posez-vous clairement face à face, homme face à sa femme. Que veux-tu? Tu veux me diriger? Tu veux me conduire? Mais donc, tu veux faire de moi ta femme? Ma sœur, chaque fois que tu veux diriger ton mari, tu veux faire de lui une femme? Une femme en pantalon, une femme en costard, une femme en barbe, une femme avec une grosse voix, qu'on appelle papa alors que c'est maman. Ah oui. Et souvent, les chrétiens tombent dans ce piège-là où la femme devient l'homme et l'homme devient la femme parce que nous recherchons une fausse paix. Bien aimés frères et sœurs, lorsque le couple est dysfonctionnel des fois il faut accepter la guerre car lorsque dans un corps il y a un kyste supposons que mon bras commence à pousser mal je vais aller à l'hôpital on peut même l'amputer et pour la ranger pareil aussi avec un couple lorsque la femme devient l'homme et l'homme devient la femme il faut des amputations c'est dire il faut passer par des moments de crise jusqu'à récupérer le pouvoir car des fois des fausses paix transforme les hommes en femmes. Et lorsqu'un garçon voit sa, sa mère se comporter en homme ou une fille voit sa mère se comporter en papa, elle aussi, quand elle va se marier, c'est ce qu'elle fera à son mari. C'est pourquoi nous voyons en Europe, les femmes sont incapables de se soumettre parce que génération après génération, les femmes se comportent comme les hommes, les hommes se comportent comme les femmes. Dans le pays d'Ute, il y avait un homme. Chère maman, aille ce plaisir d'avoir un homme dans la maison. Alléluia. Car c'est ridicule d'avoir un mari qui n'est pas un mari. C'est ridicule. Un, hein, ça n'honore ni les enfants, ni toi, d'avoir un semblant de mari, un mari étiquette sans autorité. On va se moquer de lui. Les travailleurs vont se moquer de lui. Dans sa famille, on va se moquer de lui. Les amis vont se moquer de lui. À l'église, on va se moquer de lui. Et qu'est-ce que cette, quel bonheur, chère maman, tu tireras d'avoir un mari qui est méprisé? Dans on se moque. Quel est ce bonheur-là que tu auras d'avoir un homme qui a été dénaturé? Aucun bonheur. Chaque fois, chère femme, que vous ne supportez pas l'autorité de vos maris, que voulez-vous créer dans vos maisons? Que voulez-vous créer dans vos maisons? Vous voulez avoir quoi? Comme, comme chose, parce que là tu deviens une chose dans vos maisons. Souvent les gens trouvent que je suis archaïque. Non, j'ai accepté dans ma vie d'être biblique et de ne prêcher que la Bible, quelles que soient les conséquences et quels que soient les avis des gens. Lorsque le père devient la mère, la mère devient le père, ce n'est pas une famille selon Dieu. C'est un monstre. Et ce monstre-là subira les attaques de l'ennemi et sans prophétie, sans vision. Soit il y aura un divorce, soit il y aura l'adultère. Car lorsque l'homme n'est pas traité comme un homme, il sera tout le temps à la quête d'une femme qui lui rappellera qu'il est un homme. C'est qu'on voyait un grand homme, un grand ministre, un grand chef. Qui va tomber avec une bonne, qui va tomber avec une femme qui n'a pas le niveau de sa femme, parce qu'au moins là il s'est senti homme. Cher homme, tu veux être respecté, traité comme un homme, sois aussi un modèle. Job était un modèle dans sa famille. Lorsque tu te livres à l'ivrognerie et que tu rentres à la maison, ivre comme tout, en train de vomir. Lorsque tu trompes ta femme et même les enfants sont au courant que tu as deux, trois, quatre femmes, tu attends à être traité comme une autorité. Lorsque tu ne travailles pas, c'est la femme qui travaille dur, c'est elle qui paye la maison, l'eau, l'électricité et qui envoie les enfants à l'école et tu aimerais recevoir l'honneur d'un père. Lorsque c'est la femme qui, elle, grandit spirituellement, connaît la parole et chaque fois que les enfants ont des problèmes, elle peut prier et les enfants sont guéris, elle peut conseiller cela s'accomplit. Oh là, tu as cherché toi-même un coup d'État. Job n'est pas présenté en premier pour rien. Il méritait d'être présenté en premier. Alléluia. Il avait dans le pays d'Ute un homme qui s'appelait Job, un chef de famille, un leader, un responsable. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Avant de présenter la famille de Job, ses sept filles, ses trois filles, avant de présenter ses sept mille brébis, ses trois mille chameaux, ses cinq cents paires de bœufs, ses cinq cents ânes et un très, un très grand nombre de serviteurs, on parle d'abord de la sanctification de Job, de sa communion avec Dieu, de son intégrité. On dit que c'était un homme intègre et droit, il craignait Dieu et, ne se, et se détournait du mal. Voici encore une autre chose. Le plan de Dieu dans ta famille, c'est qu'il doit être au centre. Il doit être le premier. Dieu d'abord. Dieu avant ta famille. Dieu avant ton travail. Dieu avant toi-même. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Et comme nous sommes dans la nouvelle alliance, Christ d'abord. La famille doit être christocentrique. On doit sentir une famille qui tourne autour de Jésus. Pas autour de la télévision. Les familles modernes tournent autour de la télévision et quand il y a coupure d'électricité, elles perdent la vie. Christ doit être au centre de la famille, pas la télévision. Des familles qui causent autour de la télévision, qui font tout autour de la télévision. Non, tout doit tourner sur Jésus. On doit sentir dans ta maison que le centre, c'est Jésus. Avant de parler de ses enfants, avant de parler de ses biens, on dit qu'il craignait Dieu. On présente la force, la source de Job. C'était sa crainte, son intimité avec Dieu. Chers couples, chères familles, si vous mettez les enfants avant l'intimité avec Dieu, vous êtes dysfonctionnel. Si vous placez votre travail, vos bœufs, vos brebis avant Dieu, vous êtes dysfonctionnel. Dieu d'abord, les enfants, la femme après et ensuite le travail. D'abord Dieu, ensuite la famille et ensuite le travail. Lorsque dans la famille Christ n'est pas au centre, lorsque les attaques démoniaques viendront, vous serez anéantis. Lorsque Christ n'est pas au centre, lorsque Christ n'est pas au centre, lorsque les ennemis viendront, vous serez emportés. Bâtissez vos maisons sur le roc. Ne bâtissez pas vos familles sur la philosophie humaine, bâtissez vos familles sur la parole de Dieu. Bâtissez tout d'abord un hôtel à Dieu. Des familles qui tournent autour de Christ. Des familles qui tournent autour de Christ. Où le matin on parle de Jésus. À midi on parle de Jésus. Le soir on parle de Jésus. Il y a des familles qui ne tournent qu'autour des bœufs. L'argent, l'argent, l'argent. Des commerçants chrétiens parlent d'abord de Jésus, ensuite de l'argent. Même si vous êtes des commerçants. Les affaires, les affaires, l'argent, 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 les enfants, les enfants, ma femme, ma femme, non, Jésus, 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 ensuite mes enfants, mes enfants, ma femme, ma femme, ensuite mon travail. Car il est possible même en tant que serviteur de Dieu, car en tant qu'homme de Dieu, des fois même, nous plaçons même le ministère avant la communion avec Dieu. Encore là, un piège. Cher serviteur de Dieu, ta relation avec Dieu vient avant ton ministère. Car si tu es tout le temps dans le ministère, mais tu n'as pas le temps de développer une intimité avec Dieu, tu deviens un professionnel et Dieu n'a que faire des professionnels, il a besoin des intimes. Dans ma vie, c'est d'abord Dieu, ensuite c'est ma famille, ensuite l'Église. Parce que l'Église n'est pas Dieu. Car des fois les fidèles, vous confondez Dieu et le ministère. Bien aimé, le ministère peut mourir, mais mon intimité avec Dieu va demeurer. Dans ma vie, c'est d'abord Jésus-Christ, ensuite ma famille, ensuite l'œuvre de Dieu. Pourquoi je serai d'abord jugé en fonction de ma famille qu'en fonction du ministère Car si ici si je suis un mauvais père, je ne peux exercer le ministère. Donc, la famille vient avant le ministère. Ah oui, quand des fois vous dites, pasteur, on veut te voir, et puis non, je dois me reposer, je dois être avec ma femme et mes enfants. Oui, c'est ça ma priorité. Parce que si je suis un mari qui bat ma femme, je ne peux pas prêcher. Si je suis un mauvais père, je ne peux pas prêcher. Donc la famille vient avant le ministère. Mais Dieu vient en valant famille parce que Dieu n'est pas le ministère. Car avant le ministère, j'avais déjà Dieu. Oui, 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 oui. C'est pourquoi des fois, je peux être là au bureau, je suis en train de vous recevoir, on me dit que mon épouse est malade, j'arrête de vous recevoir, j'arrête heureux, je vous laisse et je vais à côté de ma femme les collaborateurs vont prendre soin de vous mais dans le domaine du mariage je n'ai pas de collaborateurs dans le domaine de papa je n'ai pas de collaborateurs pasteur ne laisse jamais l'église détruire ta famille ce sont les bœufs et les brebis Dieu la famille et puis les bœufs et les brebis car après avoir fait le travail ici, je rentrerai où En famille. Toute la force que j'ai ici, je l'ai tirée où Ne détruisez pas vos familles pour le ministère. Car tous les fidèles peuvent partir la famille restera. Chers enfants prédicateurs, mes fils, faites attention. Un pasteur équilibré dans son foyer est puissant dans le ministère. Car si tu as un bon tatami d'entraînement, tu vas te donner des chaos sur les rings. Avant de venir vous prêcher, je ne prie pas seulement, je cause avec mes enfants, ils me donnent la joie. Je cause avec ma femme, elle me donne la joie, et je viens avec tout cela. L'onction reçue dans la prière, le bonheur reçu de ma femme et de mes enfants, et je peux être un bon pasteur. Mais le jour où je n'aurai pas cela, vous verrez que ça changé. C'est pourquoi, chère Église, apprenez à respecter la vie familiale du pasteur. Quand nous vous donnons le temps ici, ne venez pas déranger à la maison. Nous ne recevons à la maison que sur rendez rendez-vous. Quand je ne t'ai pas fixé un rendez-vous, ne viens pas. Pourquoi Je vous donne déjà trop de mon temps. Le trois quarts de ma vie, je vous ai donné. Laissez les un quart à Maman Blancheurac le Choucranier chiffre. <rires> 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 moi, je parle à moi. Hein. Alléluia. Amen. Premièrement, Dieu, ta communion avec Dieu, l'intimité avec Dieu, premièrement ta relation avec Dieu. Cher maman, cher papa, lorsque tu places ta femme avant Dieu, lorsque tu places tes enfants avant Dieu, Dieu peut détruire ton foyer parce que Dieu est un Dieu jaloux. Vous tous qui, avant de vous marier, vous étiez très consacrés, très intimes à Dieu. Mais après le mariage, c'est devenu ton mari, ton mari, ta femme et ta femme. Sache que Dieu est jaloux. Et vous qui êtes célibataire, sachez que Dieu sait comment vous l'aimez maintenant. Et lorsque vous allez vous marier, Dieu va comparer. Comment tu l'as aimé quand tu étais célibataire et comment tu l'aimes maintenant que tu es marié. Et si ton amour du célibat est plus grand que ton amour actuel, Dieu deviendra l'ennemi de ton mariage, l'ennemi de ton mari, l'ennemi de ta femme. Ce sera une idole devant lui. Et Dieu pourra même le prendre ou vous séparer pour te regagner. D'abord Dieu. D'abord Dieu. Ensuite la famille. La famille vient avant ton travail. Ô oh, homme, toi qui gagnes la vie, c'est bien de ramener à la maison de l'argent, de donner des voitures et des maisons, d'offrir tout à ta femme, tout à tes enfants. Mais sache ceci, il n'y a pas plus que l'amour et le temps que tu peux te donner. Car des fois, nous nous évertuons à donner maison, voiture et tout ce que nos enfants veulent, tout ce que nos femmes veulent. Mais sachez ceci. Il faut prendre le temps de passer avec ta femme, prendre le temps de passer avec tes enfants. Car si tu n'as pas le temps pour tes enfants, quand ils grandiront, tu chercheras le temps d'avoir avec eux. Eux aussi n'auront pas le temps de te donner. Ah oui, aujourd'hui, n'est-ce pas Nos enfants viennent tout petits, ils frappent à la porte chaque matin, papa, 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 papa. papa. Est-ce qu'aujourd'hui, je frappe encore à la porte de mon père J'ai fait des fois deux mois, trois mois, je ne l'appelle pas. Lorsque tes enfants te réclament, donne-leur le temps. Ils n'auront pas le temps quand ils grandiront. Profitez maintenant pour les impacter, pour leur donner du temps, donner des conseils, qu'ils entendent la parole de votre propre bouche. Les qui vous entendent vous les conseiller, qui vous voient comment vous êtes heureux toi et ta femme, qu'ils voient. Mais si vous êtes tout le temps dans le travail et vous ne savez que les envoyer à l'école et offrir des toutes petites choses et vous pensez que vos enfants ne manquent de rien, ils manquent de tout. Ils n'ont pas papa, ils n'ont pas Mama Car le piège de l'ennemi en ce temps de la fin, c'est de saturer les parents de choses à faire. Même que ce soit en Europe, que ce soit ici, les parents deviennent buzis du matin au soir. Nous sommes buzis, buzis en train quoi? De chercher l'argent pour eux, de les nourrir, mais pas le temps de jouer avec les enfants, de causer avec les enfants. Ta fille est en train de grandir, et mais jamais tu lui parles. Combien de problèmes nous avons dans les églises? Une fille qui se marie et tu te rends compte qu'elle n'a rien. Sa mère ne l'a jamais éduquée, ses parents ne l'ont jamais Éduqués, jamais préparés au mariage, parce que les parents actuels ne passent plus le temps avec leurs enfants. Ta grande fille ne sait même pas préparer. Alléluia! Elle ne sait pas faire le foufou, elle ne sait pas faire ceci, elle ne sait pas. Elle sait seulement porter un jean, body et se maquiller et faire des Snapshots. Maman, ta fille grandit. Elle est, elle est tout le temps au téléphone, tout le temps au téléphone, tout le temps au téléphone. Et tu ne vois pas ça, tu ne causes pas avec elle. Elle grandit devant le téléphone. Qu'est-ce qu'elle ira apporter dans son foyer Qu'est-ce que tu lui as dit Pensez-vous, pensez-vous Et je dois dire la vérité. C'est quelques mois que les gens prennent en formation à l'église. Ça suffit Ça suffit pour un mariage de 50 ans Une formation de deux mois et puis on vous bénit. Oh, j'ai été encadré pour le mariage. L'encadrement commence depuis la maison, la maison, la maison. Les premiers encadreurs, c'est nous les parents, où tu dis, on insulte pas, on dit pas de gros mots, on ne ment pas, on ne fait pas du mal à ta soeur, ne fait pas du mal à ton frère. Tous les jours, prépare. Aujourd'hui, c'est toi qui fais le déjeuner, c'est toi qui fais la table, fais ton propre lit, arrange ta chambre, arrange ceci, va te laver, brosse tes dents. Tous les jours, tous les jours, une femme doit être propre, un garçon doit être responsable. Tu lui dis ça et l'église vient ajouter la cerise sur le gâteau. Mais maintenant, c'est nous qui devons donner le gâteau, pour vous vous donnez la cerise. En une semaine. En une semaine, en une semaine, l'Église, nous faisons que l'essentiel. Mais si ta famille ne t'a rien donné, il y aura un grand problème. C'est pourquoi aussi, un conseil, épouser dans des bonnes familles. Oui, oui. Abraham, lorsqu'il fallait que son enfant se marie, il l'a renvoyé où dans sa famille. Pourquoi Il était sûr de l'éducation qu'on donne aux filles là-bas. Oh, je viens chez vous, je dois me marier, je vois le papa et maman sont en train de se battre, et je vois tes frères voyous, tout le monde voyous. Oh, je vais gêner, prier pour être sûr, si Dieu m'envoie en kamikaze chez vous pour te sauver. Oui, oui, la plupart des temps. Voyez la plupart des mariages qui sont stables dans le monde. Souvent, ce sont les bonnes familles qui se marient entre elles. Alors, si tu es fâché que... Mais, pasteur, tu parles de famille. Mais non, fais maintenant de ta famille une bonne famille pour que les bonnes familles viennent aussi chez vous. Ne soyons pas des hypocrites. Chaque fois qu'un père voit son fils venir lui dire Je veux me marier, le père pose toujours la question Sa famille est comment Vrai ou faux oui. Pourquoi Parce que nous ramenons dans nos couples tous les tares de nos familles. Nous ramenons cela. Dieu, ta famille, ensuite les bœufs. Ensuite les ânaissent. Et la Bible nous dit que Job était l'homme le plus riche du monde. Bien-aimé, Dieu n'est pas contre la richesse. Dites avec moi, Dieu n'est pas contre la richesse. richesse. Disons-le encore. C'est important, la compassion, qu'on le dise. Dieu n'est pas contre la richesse. Vous savez, quand on prêche un message de sanctification, il y a des gens qui croient que prêcher le message de la sanctification, c'est prêcher le message de la pauvreté. Non, je ne suis pas un prédicateur de la pauvreté. Je suis un prédicateur de l'équilibre. Amen. Hein D'abord la sainteté, mais aussi la richesse, parce que la richesse est un pouvoir qui permet de réaliser les œuvres de Dieu. Et on nous parle de Dieu, on nous parle de sa famille, et puis on nous parle de ses biens. Qui lui a donné cela Ce n'était pas l'occultisme, ce n'était pas la magie, c'était Dieu. Le plan de Dieu pour les familles, c'est que les familles ne manquent de rien, que les familles ne manquent de rien. Je dis que les familles ne manquent de rien. Ce n'est pas une joie. Tes enfants n'ont pas mangé. Dieu ne se glorifie pas en cela. On te chasse du, de la maison. Dieu ne se glorifie pas en cela. Et lorsque vous négligez de gagner la vie, de gagner l'argent au nom de la spiritualité, ce n'est pas biblique. Ou ton enfant commence à envier le vélo de l'autre enfant. Ton enfant commence à envier les habits de l'autre enfant. Ton enfant commence à envier les chaussures d'un autre enfant. Souvent les chrétiens. Lorsqu'ils sont spirituels, ils négligent de gagner dans la vie. L'homme le plus saint était l'homme le plus riche, et l'homme le plus riche était l'homme le plus saint. Donc il est possible d'être riche et saint, et saint et riche. Je dis il est possible d'être riche et saint, et saint et riche. Il y a bien aimé des sommes très riches par la puissance de Dieu. Oh Dieu, ne me donne pas beaucoup d'argent, je vais t'abandonner. Non, moi qui me donne beaucoup vraiment pour que je puisse engendrer des églises dans le monde entier. Frères et sœurs, vous ne devez pas négliger de gagner la vie. Parce que lorsque vous négligez de gagner la vie, les païens sont en train de gagner la vie. Ils sont en train de fonder des entreprises et vous irez travailler là-bas à leurs conditions. Ah oui, quand tu chercheras le travail, tu iras chercher un païen qui va t'engager, qui va t'imposer l'homosexualité. Comme on a des banques dans ce pays qui imposent l'homosexualité, ils vont t'imposer l'occultisme, ils vont t'imposer même la corruption, de mentir, de faire des faux bilans, n'est-ce pas n'est-ce pas que certains comptables ici, dans certaines entreprises, on t'impose de faire des faux bilans pour présenter un peu d'argent comme impôt Pourquoi Les chrétiens prient, prient. Et maintenant, tu ne fais que prier, prier, prier. Tu ne te donnes pas à gagner la vie. Et lorsqu'il y a des problèmes à la maison, tu dis que Dieu m'a abandonné. Non, Dieu bénira le travail de tes mains. Et dans un pays comme le Congo, ne cherchez pas l'emploi, cherchez le travail. Cherchez le travail. C'est-à-dire quoi Tu peux devenir le PDG de toi-même. Dans ce pays, si tu es humble, tu auras l'argent. Tu auras l'argent. Il y a tellement de débouchés d'argent. Si seulement tu commences à vider les toilettes de toutes les maisons de ton quartier, tu auras l'argent. Une femme, pendant un temps, en Chine, était la femme la plus riche du monde. Vous savez comment c'est elle qui emballait tout ce que la Chine vendait. C'est tout. Tout ce que la Chine vendait dans le monde était emballé par elle. Elle est devenue riche comme ça. Qu'est-ce qu'elle vend Les emballages. Le plan de Dieu dans la famille, c'est que la famille ne manque de rien. Et pour que la famille ne manque de rien, il faut travailler. Il faut bosser dur. Dites bosser dur. Bosser dur. S'il y a des gens qu'il faut engager vraiment beaucoup de prières, ce sont les chrétiens. Vrai ou faux ils sont nonchalants, faibles. Là où le païen peut se donner dix heures du temps de travail, le chrétien c'est trois heures, toujours fatigué, toujours faible, toujours fatigué. C'est comme ça qu'ils deviennent plus forts que nous. Ce n'est pas toujours la magie, ce sont des bosseurs. Les païens sont des bosseurs. Les païens sont des bosseurs. Tu engages un païen, tu vas voir comment il va travailler. Mets un chrétien à la place, surtout des églises de réveil. Quand tu te plains d'être pauvre, est-ce que tu fais tout pour sortir de la pauvreté Quand tu te plains de ta pauvreté, est-ce que tu fais tout Tu as cherché deux fois seulement un travail et tu ne l'as pas eu. Tu as arrêté. Et puis tu commences à prier que Dieu t'appelle au ministère. Tu peux demander une fois, tu peux demander deux fois, mais tu ne peux pas faire de ta vie une vie de mendicité. Père, touche-le qui me donne. Oui, je peux te donner une fois, deux fois, mais ne fais pas de ta vie. Tu vis qu'au dépens des gens, surtout quand tu es un père de famille. C'est dangereux. Vous savez, quand est-ce que j'ai pris au sérieux l'argent dans ma vie Avant, j'étais déséquilibré. L'esprit, 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 l'esprit. Et un jour, mes frères, mon enfant tombe malade la nuit. Qui va te prêter de l'argent Qui va te donner je me suis dit à moi-même, je suis un aventurier. Comment je ne vais pas voir une femme et un enfant, mais je n'ai rien mis à côté, je suis un aventurier. Combien d'enfants meurent parce que leurs parents sont des aventuriers Tu es fort seulement pour faire des bébés, mais tu n'es pas fort pour économiser. Fort en bébé, mais pas fort en épargne. Vivons jour le jour. Un père de famille ne vit pas au jour le jour, c'est un danger. Si en trois heures du matin... Il y a une crise à la maison, une crise. Comment tu vas amener ta femme à l'hôpital avec les hôpitaux du Congo Ou avant de toucher, il faut toucher, jouer. Avant de te toucher, il faut l'argent. Avant, tu meurs, il faut l'argent. Avec les genres d'hôpitaux que nous avons. Ton enfant meurt et puis tu dis que c'est l'esprit de mort. Ce n'est pas l'esprit de mort. Tu es un père irresponsable. Comment tu peux vider la caisse de la famille alors que tu as des enfants? Comment tu peux tout utiliser dans une chaussure, dans une chaussure, alors que tu as une femme, tu as un enfant, tu prends 300 dollars, tu mets dans la chaussure et puis il n'y a plus rien à la maison, mais tu as une belle chaussure. Non. Marche en ketch, marche même en babouche, mais aie hey, l'épargne pour ta famille. Que ta femme te voie te battre dans la vie. Il y a des hommes qui n'ont pas beaucoup, mais leurs femmes ne se plaignent pas. Elles peuvent même te dire, Pasteur, t -t -t -t, mon mari se bat. C'est un courageux. Dieu finira par le bénir. L'homme le plus spirituel du monde n'était pas qu'un homme spirituel. C'était un bon père de famille. C'était aussi un bosseur. Parce que les anges ne descendaient pas pour faire paître ses troupeaux. Les anges ne descendaient pas pour prendre soin de ces travailleurs, pour gérer tous ces travailleurs. Il y avait de l'intelligence, il y avait du travail. Ce n'est pas parce qu'il était l'homme le plus riche par la bénédiction divine que la bénédiction divine maintenant encadrait les troupeaux. Il y avait un travail derrière, une organisation derrière. Sans iPad, sans laptop, il pouvait diriger tout ça. Quel niveau de travail Job était un bosseur, Job était un travailleur. Et je ne sais pas, mes frères. Un enfant naît dans une famille et il trouve des dettes. Un autre naît dans une famille, il trouve un héritage. L'autre a déjà une avance. Pendant que ton enfant se bat à économiser pour avoir une maison, l'autre maintenant commence à économiser pour commencer une entreprise parce qu'il a déjà la maison. Quand tu es un père, tu dois te battre pour laisser un héritage à tes enfants. Tu dois te battre. alors laisse-moi une maison. Tu dois te battre, leur laisser une entreprise. Tu dois te battre. Tu dois te battre parce qu'ils ne t'ont pas demandé de venir sur terre. C'est toi qui les as cherchés. Et tu peux avoir des enfants remplis de complexes parce que le père n'est pas beau sœur C'est pourquoi, chère soeur, la condition pour épouser un homme, ce n'est pas qu'il soit seulement beau, qu'il parle un bon français. Ça doit être un homme courageux. Alléluia! Un homme courageux, un homme courageux, alléluia. Un jour ça marchera. Ne soyez pas fixés que sur le français, sur la veste, sur le parfum. Regardez cet homme. Cet homme peut commencer avec 10 dollars, il peut en faire 10 000 dollars. Cet homme se bat. Et même s'il étudie, tu sens vraiment qu'il s'y donne. Pas un beau paresseux, un paresseux parfumé, un paresseux bien habillé, un paresseux romantique. Hmm. Et la Bible nous dit encore ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. C'étaient des enfants éduqués dans l'amour et qui s'aimaient. Il y avait sept garçons et trois filles, et ils organisaient sept fêtes chez chaque garçon. À tour de rôle, il n'y avait pas six fêtes, parce que l'un s'était mis de côté, ni cinq fêtes. Il y avait. Cette fête, ils étaient en paix, ils s'entendaient, à tour de rôle. Et je vous assure, lorsqu'une famille peut réaliser cela, donc il y a la paix, n'est-ce pas N'est-ce pas que nous connaissons les fêtes dans nos familles, comment c'est problématique et comment les fêtes divisent encore la famille, vrai ou faux oui. hmm. Mais là, c'était à tour de rôle. C'était des enfants qui vivaient dans l'amour. Je suis sûr que ces enfants vivaient dans l'amour parce qu'ils avaient reçu de l'amour de leurs parents. Et la preuve, c'est que Job, même après ses fêtes, prenait soin de ses enfants pour les sanctifier. C'était un père rempli d'amour, rempli d'amour de sorte que ses enfants s'aimaient. Les enfants commencent à s'insulter lorsque les parents s'insultent. Les parents sont, les enfants deviennent méchants lorsque les parents sont méchants. Je ne dis pas que mes enfants sont spéciaux. Mais tous ceux qui rencontrent mes enfants disent, comment tes enfants sont doux comme ils sont Comment tes enfants sont comme ça Pourquoi ils n'ont jamais vu les parents se chamailler Ils n'ont jamais vu leur père frapper leur mère Ils n'ont jamais vu des insultes, entendu des insultes dans la maison Jamais une seule fois. Ils ont entendu même le mot imbécile à la maison. Imbécile Ils n'ont jamais entendu ça ils, Jamais Et jamais tu entends Oracle insulter Shoukrani Oushoukranie, insulter chiffre. Pourquoi Ils n'entendent pas. Souvent, les champions en insulte engendrent des champions aussi en insulte. Souvent, les parents brutaux, méchants engendrent des enfants qui se tabassent jusqu'au sang. Jamais on les tape. Jamais. Tu peux tirer un peu l'oreille et jamais ils se battent parce qu'ils ne reçoivent pas ça. C'est pourquoi ils ne donnent pas. Job élève les enfants dans l'amour et les enfants s'aiment. Élevez-vous vos enfants dans l'amour. Est-ce que vos enfants peuvent vous regarder de loin et dire, mmm, papa aime maman, hein? et maman aime papa. Est-ce que tes enfants peuvent témoigner ça Ou vos enfants sont devenus des médiataires entre les pères et la mère. N'est-ce pas qu'il y a des enfants médiataires Va dire à ta maman, maman, papa a dit. Va dire à ton papa, un tel enfant, tu penses qu'il saura aimer sa soeur Il peut haïr sa soeur pendant un mois, deux mois. C'est comme ça qu'on a des enfants d'une même famille qui ne s'aiment pas. Pourquoi ils voient que les parents ne s'aiment pas Le plan de Dieu pour une famille, c'est que les enfants soient élevés dans l'amour. Et Job élevait ses enfants dans l'amour. Et c'est qu'encore j'aime dans ce couple, plutôt dans cette famille. La Bible dit ceci. Ils invitaient leurs trois sœurs à manger. Et ce détail n'est pas donné en vain. Parce que dans la culture orientale, les femmes n'étaient pas très honorées, très respectées. Mais les garçons, lorsqu'ils organisaient des fêtes, invitaient aussi les filles. C'était une famille qui élevait la femme et qui élevait l'homme. Qui élevait les garçons, qui élevait les filles. Cher papa, chère maman, dans votre manière d'éduquer vos enfants, ne faites jamais sentir à vos filles qu'elles sont moins que les garçons. Vous êtes en train de les préparer à être maltraitées dans le couple et dans leur foyer. Tu envoies le garçon dans une école très élevée et la fille, tu dis, tu vas étudier dans deux ans. Toi, attends le mariage, mais toi, deviens docteur. Qui te dit que ta bénédiction viendra des garçons Peut-être que tu vas engendrer Esther. Esther va épouser un roi. Arrêtez de négliger le futur de vos filles. Et aujourd'hui, le monde nous le prouve. Ce sont les filles qui trouvent le travail avant, n'est-ce pas Et aujourd'hui, travailler avec les femmes, c'est mieux que travailler avec les hommes, vrai ou faux Une entreprise des femmes, elle tient mieux qu'une entreprise d'hommes. Quand nous sommes en contact avec les banques, qui représentent la plupart des temps les banques auprès de nous, ce sont les femmes. Une femme, tu peux lui confier autant, elle va faire arriver, mais un homme... <laughs> Mais là, quand tu éduques tes enfants, tu donnes le meilleur de toi dans le garçon et tu méprises la fille. La fille, tu la prépares à être seulement une mère et tu ne mets rien dans sa tête, rien dans son esprit. Et tu mets le tout dans l'homme qui te dit que c'est l'homme qui sera plus grand que la femme. Battez-vous pour donner le même niveau, la même éducation, la même instruction à vos enfants, que soit le garçon que soit la fille. Battez-vous, battez-vous. Et certains hommes, s'il a comme premier enfant fille, une fille, vraiment, il est malheureux. L'enfant est vivant, oui, l'enfant est vivant, mais c'est une fille. Oh, mais c'est une fille. Mais la fille, c'est une personne avec une destinée, avec un but de Dieu dans sa vie. Et là, vous avez des bébés, des bébés, des bébés, des bébés, des bébés, des bébés cherchant les garçons. Non, arrêtez-vous même à trois, à quatre. L'une des causes de pauvreté dans, en Afrique, c'est la recherche d'un garçon. La recherche d'un garçon. Déjà, tu ne nourris pas bien les filles, tu cherches un garçon. Hein? Alors les garçons mangent même plus que les filles. Alléluia. Dieu peut faire de toi un Gétro et il va t'envoyer un Moïse. Arrêtez de rechercher que des garçons et des garçons et des garçons et des garçons. Un enfant est un enfant. Que soit un garçon, que soit une fille. Un enfant est un enfant. Et nous voyons des filles qui sont aînées de famille, qui font, qui jouent bien leur rôle. Est-ce qu'il y a des filles aînées ici? Il y a des filles aînées qui font mieux même que leurs grands frères, n'est-ce pas? Que leurs frères garçons. Il y en a. Il y a des filles aînées responsables, qui aident toute la famille à étudier, à travailler, à voyager, à investir. Des filles qui réussissent dans leur vie. Et alors arrêtez de ne chercher que des garçons. L'esprit de l'homme est égal à l'esprit de la femme. Alléluia Et cette famille était comme une famille moderne dans laquelle, que soient les garçons, que soient les filles, tous étaient honorés. Et au verset 5, la Bible dit « Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume. Régulièrement, il faisait ainsi après chaque fête. Il sanctifiait ses enfants pour qu'ils soient sûrs qu'ils sont en communion avec Dieu. Cela révèle ceci le culte familial. Le plan de Dieu pour une famille, c'est qu'il y a un culte familial. Avez-vous le temps de prier en famille ce n'est pas normal que les familles aient le temps de regarder la télévision ensemble, d'être sur Internet ensemble, mais de ne pas avoir le temps de se tenir les mains et de prier Dieu ensemble. Et vous saurez à quel point le diable, vous ne pouvez savoir à quel point le diable s'oppose à ce qu'une famille puisse élever ensemble la voix vers Dieu. Je vous assure, une famille qui a un culte familial, vous pouvez avoir un sorcier dans votre maison, il sera paralysé. Des complots maléfiques seront anéantis. Et là, lorsque les enfants grandissent dans un culte familial, Dieu va commencer à régler les problèmes pendant les moments de prière. Et vous aurez un moment où vos enfants sont exposés à la présence de Dieu. Établissez un culte familial. Et celui qui établit le culte familial dans sa maison, ce n'était pas la femme de Job. C'était Job. Mais la plupart des temps, nous, les hommes, nous attendons que les femmes établissent le culte familial. Mais là, ce n'est pas la femme de Job qui avait établi le culte familial. C'était papa Job. Papa Job veillait à la spiritualité de ses enfants. C'était lui le sacrificateur de la maison. C'était lui l'homme spirituel de la maison. C'était papa Job qui était l'homme le plus spirituel de la maison. Mais aujourd'hui, nous avons des papas Job. Ce sont eux qui refusent de prier avec toute la famille. J'ai trop de travail. Job. Job, l'homme riche. Job, l'homme le plus connu d'Orient. Avait une priorité dans sa vie. Ce n'était pas rendre ses enfants riches, mais c'était d'abord s'assurer que ses enfants sont en communion avec Dieu. Le plan de Dieu dans ta famille, c'est que tous tes enfants soient en communion avec lui. Garde tes enfants, Dieu peut les prendre pendant que tu es vivant et tu dois te rassurer que s'ils meurent, ils iront au ciel. Tu envoies tes enfants à l'école, tu les envoies en Europe, est-ce que tu les envoies au ciel? Papa Joe voulait être sûr que ses enfants étaient en communion avec Dieu. Et des fois les parents nous oublions cela, nous voulons que les enfants aillent tout, mais est-ce qu'ils ont Dieu Le plus grand cadeau qu'un père peut donner à ses enfants, c'est Dieu, c'est Jésus. Le plus grand héritage qu'un parent peut laisser à ses enfants, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est là que vous entendez un enfant dire, maman m'avait dit, Jésus est le roc, papa m'avait dit, Jésus est l'essentiel. Quand j'étais enfant, mon père m'avait dit qu'il faut prier avant de dormir. Quand j'étais enfant, mon père m'avait dit. Un héritage. Mais la Bible dit que ses enfants avaient la capacité d'organiser des fêtes régulièrement. Et donc, c'était des enfants riches. Car tu ne peux organiser des fêtes régulièrement si tu n'es pas riche. Job n'était pas seulement riche, ses enfants étaient riches. Le plan de Dieu, c'est que la bénédiction soit transgénérationnelle. Alléluia. C'est que ce qui est arrivé à Abraham arrive à Isaac. Isaac à Jacob. Ce n'est pas bon papa. De ton temps tout allait bien, mais après toi c'est la catastrophe. Que faites-vous pour que ce que vous avez puisse continuer Il faut commencer à temps pour penser à l'après toi. Souvent l'Africain n'aime pas penser à l'après lui. La Bible dit tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Alors pendant que tu es vivant, tu dois regarder Qu'est-ce que je ferai pour qu'après moi, mes enfants gardent le même standard Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais investir Qu'est-ce que je vais les enseigner Je dois investir quoi Dans les études Je dois investir dans ceci, dans les affaires Qu'est-ce que je ferai pour qu'après moi, mes enfants ne manquent de rien Un père, une mère doivent penser à cela. Vous ne devez pas être des fêtards, amen, hein Fêtina, fêti, caca, fêti, caca. Ceux qui m'ont écouté, tout ça, fait nini. T'aurais refêter sous ce mariage, hein <coughs> Job n'était pas seulement riche. Ses sept fils avaient la capacité à tour de rôle d'organiser des fêtes parce qu'ils en avaient les moyens. C'était un père qui, pendant sa vie, apprenait à ses, pas, à ses enfants à jouir de la richesse et à gérer la richesse. Et un conseil que je peux nous donner, des fois, si Dieu t'a béni, prends un peu d'argent, donne à tes enfants comme argent de poche et vois comment ils gèrent l'argent. Que les enfants apprennent à manipuler les billets. Et tu te dis après de moi, qu'est-ce que tu en as fait? Non, j'ai gardé. Euh, et ici, si tu, tu peux même découvrir très tôt que ton enfant a le sens des affaires. Euh, non, euh, j'ai prêté à mon ami, je dis, va me rendre avec intérêt. Ah, oh, petit, quelle boule! Amen. Mais, si je ne dis pas ce que je veux dire, j'ai menti. Ce tableau est parfait, mais il y a un problème. Vous allez remarquer que depuis que j'ai commencé à parler, je ne parle pas d'une personne. Je ne parle pas de qui La femme de Job. Elle est absente. Elle n'est pas là. La femme de Job n'est pas là. Quand tu lis la Bible sur la femme de Job, on ne la voit pas. Partout, on ne la voit pas. Elle apparaît seulement. <rires> <rires> Alléluia. Tu vas voir, la femme de Job n'est pas là. Quelque part seulement dans deux endroits, on parle. Dans un seul endroit d'ailleurs, on parle d'elle. C'est tout. Et puis on passe à Job. Dis à ton voisin, ne sois pas la femme de Job. Job 2, versets 9 à 10. La Bible dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs pour que je me remarise. Moi j'ai ajouté. <laughs> mais Job lui répondit Tu parles comme une femme insensée. Non, il fallait qu'il dise Tu parles parce que tu es insensée. Mais comme c'est un homme qui craint Dieu, comme. Tu parles comme une femme insensée. Quoi Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Job ne pécha pas, mais sa femme pécha. Voici dans la famille de Job. Un père formidable, des enfants formidables, mais une mère bizarre. Mais cet homme, malgré qu'il avait une femme bizarre, il était saint. C'était l'homme qui craignait Dieu plus que tous avec une femme bizarre. Toi qui pêches parce que tu as une femme bizarre, un hein, mari bizarre, ce n'est pas une raison. Job craignait Dieu avec une femme insensée. Certains, souvent, ils perdent leur spiritualité. Oh, ma femme, oh, mon mari. Voyez, la femme de l'homme qui craignait Dieu plus que tous en ce temps-là avait une femme insensée. Je ne veux plus servir Dieu à cause de mon mari, à cause de ma femme. Job offrait des holocaustes à Dieu malgré une femme insensée. Car elle n'est pas devenue insensée quand il est tombé malade. Elle l'était toujours. Elle l'était toujours. Lorsque tu penses que pour servir Dieu, lorsque tu penses que pour avoir la paix et croître spirituellement et te battre dans la vie, il faut toujours que ta femme soit sage, ton mari soit sage. L'ennemi peut te piéger au travers de celui qui dort avec toi. Job avait des bœufs avec une femme insensée. Il avait des enfants bien éduqués avec une femme insensée. C'était un homme qui craignait Dieu avec une femme insensée. Lorsque tu as un pied qui devient malade, qu'est-ce qu'on fait On prend une béquille et on continue à marcher. Et oui, mes frères et sœurs, des fois dans la vie, si l'ennemi t'a piégé par une mauvaise femme, un mauvais mari, ne te suicide pas et n'enterre pas tes rêves et ta destinée, poursuis-les avec une béquille. Oh oui, chers frères, chères sœurs, le bonheur vient de Dieu, ne vient pas de la femme et ne vient pas du mari. Si ton bonheur vient de ta femme et de ton mari, alors, tu échoueras, car lorsque l'ennemi va l'attaquer, tu perdras tout. Mais si ton bonheur vient de Dieu, que ton mari te donne le bonheur ou pas, tu gardes le bonheur principal. Principal, le bonheur principal vient de Dieu. Chers frères et sœurs, Job était tout cela avec une femme insensée. Cette femme s'est révélée vraiment lorsqu'il a connu des problèmes. Elle est venue dire à Job, maudit Dieu et meurt, parce qu'elle connaissait. Le Dieu de Job, mais n'obéissez pas au Dieu de Job. Et Job refuse. Elle abandonne pendant qu'il est en train de souffrir, car tu ne peux pas dire ça à un homme malade. Maudit Dieu et meurt. Maudit Dieu et meurt, c'est dire quoi Je suis fatigué de venir à l'hôpital. Je suis fatigué d'un mari qui sent mauvais. Je suis fatigué d'un mari qui fait pipi sur lui-même et à qui je dois enlever tout le temps les déchets. Je suis fatigué d'un mari moribond. Libère-moi, meurs Il y a une femme que moi je respecte dans cette église, une femme, elle a connu ça. Son mari est tombé malade, son mari a commencé à maigrir, et je voyais cette femme, comment elle a mené son mari à l'hôpital. Elle était devenue l'infirmière de, de son mari. Elle était tout le temps là jusqu'au dernier soupir. Après la mort de son mari, j'ai respecté cette femme. J'ai dit, cette femme entend les prédications. Mais la femme de Job était incapable de rester là. Elle voulait se débarrasser de lui. Et comme elle ne pouvait pas le tuer, elle pouvait le tuer par Dieu. Et voilà maintenant que Job tient bon. Vous savez avant, que je travaille en profondeur ce texte, j'avais une vision de Job en partie, mais je le respectais davantage. Pourquoi je dis ça Et je vais même m'arrêter là. Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter, même les frères et les sœurs l'avaient abandonné. Et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent en retard de tous les malheurs. Ça, c'est moi qui ai ajouté en retard. De tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kessita, un anneau d'or en retard. Il est devenu riche, vous aimez maintenant donné. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus, plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis. 6000 mille chameaux, mille pères de bœufs, mille anès. Il eut encore sept fils et trois filles. Il donna à la première le nom de Jemima, À la seconde, celui de Kétia. À la troisième, celui de Keren Apuk. Il a eu ses bébés avec qui Il a eu ses bébés avec qui Il avait divorcé Il s'était remarié avec cette femme-là qu'il avait abandonné l'hôpital. Meurt. Dieu guérit Job. Dieu le restaure. S'il a été milliardaire, il avait 10 milliards. Dieu lui donne 20 milliards. Au lieu qu'il puisse se venger de cette femme et dire, je vais te prouver, il va chercher cette même femme-là. Il lui fait 10 bébés. Quel niveau de pardon Le plan de Dieu pour la famille, c'est de pardonner. « Pardonnez, 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 pardonnez !» Il n'a pas dit « Tu m'as abandonné, tu m'as abandonné !» Malgré cela, il est revenu vers cette femme et il a eu encore dix enfants. Mais j'aimerais dire à toutes les brébis galeuses de leur couple, toutes les brébis galeuses des familles, sachez, on ne sait pas ce que Dieu aurait pu faire à cette femme. Je crois que si Job a eu à prier pour ses amis, il a eu à prier aussi pour sa femme. Quel bonheur il y a d'être une brebis galeuse dans une telle famille. Ou un mari bon, des enfants parfaits, et toi tu es une femme bizarre. Qu'est-ce que ça sert d'avoir une bonne femme spirituelle qui t'aime, qui est soumise, des enfants bien, mais c'est toi le papa bizarre. Quel bonheur il y a de faire souffrir son mari? Quel bonheur il y a de faire souffrir sa femme? Quel bonheur il y a de faire souffrir ses enfants? Où Dieu regarde la maison et c'est toi la porte d'entrée du diable, c'est toi la source des problèmes, c'est toi le mais, le mais, le mais. Car lorsqu'on parle de la famille de Job, qu'on arrive chez la femme, on dit mais. Mais, comme dans la famille de Lot, tous sont sortis. Mais, elle est devenue statue de sel. Mais, pourquoi es-tu le mais de ton couple, le mais de ta famille Même à vous célibataires, c'est toi le problématique de votre famille. C'est toi qui fais pleurer ta mère, c'est toi qui fais pleurer ton père. C'est toi qui amènes ton père à jeûner, prier, ta mère à pleurer tout le temps, le mais. Lorsque tu t'es marié avec ton mari, c'était un homme heureux. Mais depuis qu'il t'a épousé, il est malheureux. Il a perdu toute sa joie. Lorsque cette femme t'a donné sa vie, c'était une femme épanouie. Mais depuis, elle est malheureuse. Sachez ceci qu'au ciel, il y aura une récompense pour les hommes qui ont, qui ont supporté des mauvaises femmes. Il y aura une récompense pour les femmes qui ont supporté des mauvais maris. Mais il y aura aussi un jugement. Un jugement. Pour tous les hommes qui ont maltraité leurs femmes, pour toutes les femmes qui ont maltraité leurs mari, parce qu'il y a un Dieu au ciel. Job étant spirituel l'a pardonné. Job étant spirituel l'a recueilli. Il a reçu toute la récompense. Je ne sais pas ce que elle, elle a reçu. Ne vous glorifiez pas d'avoir des bons conjoints, d'avoir des bonnes conjointes. Ne vous glorifiez pas. Ma femme est bonne. Est-ce que toi tu es un bon mari? Mon mari est merveilleux. Est-ce que toi, tu es une bonne femme Ne soyez pas les brébugaleuses galeuses de vos couples. Ainsi donc, voici le plan de Dieu pour la famille. Une famille christocentrique, une famille vivant dans l'amour et la sainteté, une famille équilibrée spirituellement et financièrement, une famille qui respecte les priorités, une famille qui vit dans le pardon. Une famille qui prie ensemble, une famille qui cherche d'abord le rhum des cieux, le reste ensuite, une famille qui lui reste attachée dans le haut et dans les bas, une famille, Église, une famille, Église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier en fonction de cette parole, prions au nom de Jésus-Christ. Ô oh, Père éternel, je te bénis. Ô oh, Père, je te rends grâce. Merci Père éternel pour ce message. Je prie Père éternel, mon Dieu, qu que cette parole Seigneur transforme, délivre, restaure. Je demande que la puissance de ton esprit accompagne cette parole. Enfin de briser les cœurs de pierre et de les transformer en cœurs de chair. Je prie que cette parole amène la restauration, la restauration et la vie. Seigneur Dieu de gloire, je prie que tu puisses restaurer tout couple dysfonctionnel. Je prie Père éternel au nom de Jésus-Christ que tu puisses ramener la paix, ramener l'amour. Et que tu puisses Seigneur nous garder d'être la femme de Job, en homme ou en femme. Oh père, tu as dit tellement de choses.